Mais ne croyez pas que le touriste français soit différent. Ah non, pas du tout. C'est pareil. Il n'y a qu'à demander au gardien-chef du zoo d'Anvers. L'autre jour, il reçoit un autocar entier de touristes français qui n'ont pas eu le temps de déjeuner, sont achetés des abricots et ils les mangent en se baladant dans les allées du parc zoologique. Magnifique d'ailleurs. Ils passent devant des tas d'animaux, des girafes. Des hippopotames. Des otaries. Et il y en a deux qui passent devant la fosse aux gorilles. Le singe, il est là au fond, il s'emmerde. Et t'es bien Dieu, et j'ai tué l'abricot. Oh putain, t'es con toi. T'es con, singe. Oh, singe, t'aimes l'abricot. L'abricot roule, le singe se lève. Le ramasse. Il ouvre l'abricot en deux, sort le noyau, se le met dans le trophignon. Ressort le noyau, le remet dans l'abricot, il l'avale. Oh. Ah, ah, ah. Bizarre, et bizarre ça, putain. Ouais, non, il est con, putain, il est con. Oh, t'es con, c'est toi. Toi, j'ai pas le gardien. Oh, gardien. Gardien, venez voir ça, putain, il est con. Qu'est-ce qui se passe ici, une fois, hein? Oh, vous êtes français. Ça s'entend. Qu'est-ce qu'il a, mon singe? Oh, putain, il est con, le singe. T'as regardé. Jette l'abricot. Le singe. L'ouvre en deux, noyau, trophignon, ressort le noyau, le remet dans l'abricot, il l'avale. Oh. Ah, 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 ah. Zévi, il est bizarre, hein? T'es n'est pas bizarre, il est con. Il n'est ni bizarre, ni con, monsieur. Figurez-vous qu'hier, un de vos compatriotes, un imbécile de touriste français, lui a acheté un avocat. Pas un magistrat, un fruit, hein? Le singe a avalé l'avocat tout entier. Le noyau est resté coincé à l'intérieur. Alors dites maintenant, il se méfie, hein? Il essaie avant.